chaussette. Hey! Salut! Et comme on vous l'avait promis, on n'est pas du tout régulier. Non, absolument pas. Sujet de chaussette. De chaussette. De chaussette. Chaussette. Mais pourquoi? Parce qu'on a des nouvelles chaussettes. Voilà, tétain. On va vous montrer tout un en vidéo. Et aussi, on va voir Avengers. Je vous cache pas, on est dimanche. Il est sorti mercredi. Je bande des gens. J'ai bandé tout le long et je me félicite de ne pas m'être spoilé. On peut applaudir? Applaudis s'il te plaît, madame. Faut applaudir. Ouais, voilà. Hop. Non, mais là, tu vois, je mettrai un son là. Voilà. Et là, elle est en train de faire la commère. Voilà. On vous dit à tout de suite. On va manger parce que j'ai très faim. Attends, non, on va leur montrer les choses. Bon, j'arrive. On vous montre ça. Voilà. Bon, on va vous dire, on les a achetés à Vova Mes Couilles, là. C'est ça? C'est Vova, du coup. C'est un site internet, bon. Je crois que c'est Schnau, ouais. Je pense bien que c'est Schnau. Ouais, donc c'est du... Ah, on va pas vous mytho, on est quoi? On sait pas si c'est du fake ou pas, mais franchement, pour du fake, voilà, quoi. Enfin, c'est du... Ça va, ils sont swag. Ah, elles sont légères, quand même. Ouais, elles sont légères. Attends. Légères de ouf. Ensuite, c'est pas fini. Dans toutes ces chaussures, il nous reste celle-là. Tac. Bad, hein. Voilà, reste propre, de ouf. Et toi, t'es babouche? Ouais, mais babouche. Moi, j'ai pas pris des marques. Oh, par contre, je me rends compte que c'est de la merde, là. Bon, bref, c'est grave. Elles ressemblent à ça. Bon, elles sont un peu bizarres, mais... Ouais, mais ça donne bien. Ah, j'ai un petit toquet, t'as vu? Oh, les poils de Milo, c'est l'enfer. Et voilà, ouais, parce que notre chien perd les poils. C'est une catastrophe. Franchement, là, c'est l'enfer, quoi. Et voilà. Voilà, bah, écoute, nous, on va manger. Hop, petite collection, hop. Stylé, 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 tu kiffes. Tété, tété, mange dis pas. Ta-da-da. Voilà, ça évite de mettre la musique, comme ça au moins on se fait pas griller quoi. Bon, on pense, moi j'ai beaucoup aimé. Non bah déjà faut expliquer, on est quelques jours plus tard déjà. C'est vrai, on est quelques jours, on est le 1er mai. Voilà, on est le 1er mai, ouais, parce que du coup... On est dans le jubilé, vous voyez, nous on travaille le 1er mai. Ouais. Putain, c'est dur quoi, c'est vraiment dur. On n'a pas filmé du coup après parce que. On avait la flemme, la flemme dans le cul. Oh là là, Captain, je t'aime. Attention, gros spoiler. Je pense qu'on est quelques jours après, je pense que vous l'avez tous vu. Hein. Enfin, si vous l'avez... Bah, tout le monde l'a vu. Hein. Si vous l'avez pas vu. Ma collègue l'a pas vu encore. Si vous l'avez pas vu. C'est en attente. Voilà, mais revenez quand même, faites pas les gamins, on veut faire des vues. Voilà, mais là on va spoiler comme des yinches de la mort. Ouais, voilà. Sa mère, on peut dire un truc? De quoi? Captain, je t'aime. Ah, ouais. On peut le dire. C'est le cul de l'Amérique. C'est le cul de l'Amérique, les frères. On peut le dire, c'est moi. Ah, tiens, le marteau de Thor. T'es pas d'accord toi aussi? Il a tenu le marteau de Thor. Captain tient le marteau de Thor quand même. C'est un truc de fou quand même. Comment il va nous... C'est je te l'ai... Thor, ouais, maman, Thor est gros. Non, c'est Captain America. Quoi. Tu vois, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ça. Le petit n'a aucun sens, tu vois. À 3 ans ou 4, aucune lucidité, c'est nul à chier. Changer de personne, quoi. Le bébé, il fallait le changer, quoi, à un moment donné. C'est Captain, quoi. Merde, un shit de merde. Ouais, je sais pas si tu l'as entendu à la vidéo. Je sais pas, j'en sais rien, mais... Il a dit. Mais il était rigolo, quand même. T'en as pensé quoi? Toi, je sais que t'es mitigé. Toi, t'es dans la mitigation. Non? Oui, bah déjà, j'aimerais bien qu'on me voie. Ouais, voilà. Toi, c'est mijoté, toi. Oui, c'est mijoté. Il est bien, mais c'est mijoté, parce qu'il manquait des choses. 3 heures, il manquait des choses, t'as compris. Ah, je suis pas la seule à lui penser ça. Ouais, mais on est beaucoup aussi à avoir bandé quand même pendant le film. J'ai pas dit que je l'ai détesté, j'ai dit que je l'ai kiffé, mais il m'a manqué des choses. Tu comprends pas les choses, quoi. Parle bien quand même. Ouais, parle bien. Parle bien quand même, on va pas se mytho quoi. Non, on est pas des gamins, on va pas spoiler comme des ouf. Si, si, alors Thor il est gros. Voilà. Si, si, j'ai envie de spoiler. Il est gros, il a une beubarde de je sais pas combien de mois. L'autre Hulk, bah c'est Hulk, mais comment on pourrait l'expliquer? Bah, Hulk intelligent, c'est Hulk intelligent. C'est Banner qui a fusionné avec Hulk, mais en mode intelligent. Mais bon.
Non, Luc. Non, franchement, il est bien, mais ouais, il m'a manqué des choses, en fait. Niveau émotion, il m'a manqué des choses. Bon, après, il est vraiment bien, quoi, mais voilà. Bon, peut-être zéro objectivité, moi, Avengers, vraiment... Absolument pas. C'est magnifique. Par contre, celui-là, il peut que s'apprécier avec Infinity War. Bon, c'est vrai, c'est le 22e film, donc forcément, c'est bien d'avoir vu tous les films. Après, si on n'a pas vu tous les films, c'est pas non plus la fin du monde. Oui, non, moi, j'en ai raté quelques-uns. Après, pour le ressenti... Moi, j'en ai raté 3. T'as Doctor Strange, ouais. Captain Marvel et Ant-Man 2. Voilà, bon. Donc, Captain Marvel, bon, bah, c'est important juste dans le sens où le film est vite fait, hein, il est vraiment naze, je trouve. Hein. Mais c'est important, ça te permet de comprendre le personnage, c'est tout. Pas très top. Oui, mais même après dans Avengers, on la voit pas tant que ça. Hein. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Donc, bon. Ant-Man 2, pas très bon aussi celui-là. Après, il est important juste dans le sens où, c'est grâce à ça, justement, qu'ils arrivent à rejouer longtemps et tout. Oui, c'est voilà. Grâce à ce personnage-là, concrètement. Oui, voilà. Doctor Strange, c'est très important, très bon film. Celui-là, oui, il est quand même important. Faudra que je le voie quand même, celui-là. Il est important parce que les combats de Doctor Strange, ils sont vraiment magnifiques. Ouais, d'ailleurs, ouais. Je trouve que Doctor Strange, c'est vrai qu'on le voit pas assez. On le voit pas assez. Mais non. Il se bat tellement bien, ce personnage. C'est un des plus forts, de toute façon. Celui-là, faut le dire, clairement. Ouais, bon, franchement, c'est un film, je trouve qu'il prend beaucoup de risques, il n'y a pas beaucoup de combats, mais c'est beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Franchement, je pense que bah, là, vous avez déjà vu le film, sinon je ne serais pas là. Ah oui, voilà. Vous chialez, c'est sûr, vous chialez dans le movies. Bah oui, oui, un peu quand même. Moi voilà, et ayant eu tout le background, toi aussi, tu l'as carrément. Bah oui. Voilà, avec Iron Man, Captain et tout. Ça fait chier quand même. Il y en avait une dans la salle, elle se mouchait, elle n'en pouvait plus. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Oh. Putain, mais Captain, il prend le marteau de Thor. Ah ouais, il parle bien quand même. Ouais. Oh, Rocket, c'est mon gars sûr. Ah ouais, Rocket. J'aimerais trop avoir un Rocket comme un Pokémon avec moi ici. Juste là, oh là là, ça aurait été tellement stylé. Bon. Et sinon, on va aussi vous amener avec nous la semaine prochaine. On va aller voir Détective Pikachu. Voilà, j'espère vraiment que vous n'avez pas fait les cons, que vous n'êtes pas spoilé en regardant la vidéo. Bah ouais. L'idéal vraiment, c'est de le voir au cinéma. Voilà, mal au bras un peu. Ouais, bah oui. Si vous regardez pas le film aussi, comme je le prends, tac, bah, comme je veux ça. Bien, vous avez mal au bras là. Si tu le regardes pas au cinéma, c'est dommage. Enfin, si t'es un fan en tout cas, si t'as regardé les Avengers. Il faut quand même le voir en bonne condition. Il faut, ouais. C'est vraiment dommage de rater ça. C'est un bon film, même si moi il m'a manqué des trucs, c'est un très bon film. Tu passes un bon moment. Voilà quoi, tu les retrouves tous, c'est génial quoi. Ah, moi j'ai bendé. Bon, allez, je vous dis pas, c'est possible que dans ma chaîne je fasse une mini critique plus aboutie de la grosse phase Avengers Thanos, donc ça veut dire les 22 films. Et il y a possibilité aussi que je parle en même temps de la saison 8 de Game of Thrones. Comment il va en sur sa chaîne et de l'ensemble de Game of Thrones. Mais sérieux, voilà, il fait ça c'est pub, possible lui. Que j'en parle un petit peu plus, mais c'est mieux que j'ai tout le final, on va dire, de Game of Thrones. Avec le recul nécessaire. Et à ce moment-là, j'aurais le recul nécessaire d'Avengers. Ouais, un petit peu de pub, ça fait pas de mal, on va pas se mentir. D'ailleurs, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous, s'il te plaît. Voilà, comme ça, vous êtes tous déjà abonnés. C'est cool, c'est génial comme concept. Bon, on se capte juste après. Oh, les copains, on fait comme ça. Allez, salut. Putain, et là j'ai une sale gueule, je veux pas vous mentir, là j'ai un peu une sale gueule. Bon, t'as vu la mienne, hein? Hey, on voit même pas. Coucou! En mode lissage, en mode gros bordel. Bon, de notre côté, on va retourner voir Avengers Endgame, ça s'est fait un peu à la dernière minute. Bah, en donc, fait, j'ai pété un plomb, quoi. Ouais. Vraiment, c'est moi qui ai pété un cap, quoi. J'ai dit, ouais, vas-y, on y va. Donc on va le remater, bon le film dure longtemps, donc on sera sorti pour 1h40, 2h, quoi, du matin. Bon, c'est pas grave, tranquille. Bon, aujourd'hui, ça a été journée un peu au hasard. Donc, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, là, on s'est baladé tranquille. Je sais pas, dans notre quartier, ils faisaient un truc pour les animaux. Donc, il y avait les tortues, il y avait un concours de chiens. C'est
concours de chiens de ouais, concours beauté pour les chiens. Et il y avait des beaux véhicules aussi, des véhicules et tout à l'ancienne. Donc on a essayé de prendre quelques vidéos. Ça s'est un peu improvisé, un peu freestyle quoi. La qualité forcément sera un peu moins bonne. Je l'ai pris avec mon portable. Mais bon, j'espère que le plaisir sera toujours autant. Donc... Traites-tu ce vlog de non-sens ? Effectivement, il n'y a pas de sens. N'importe quoi, abonne-toi. Salut.